ce match, avec quel sentiment ? Une déception. C'est un sentiment partagé par les joueurs, le groupe, le staff. On est déçus. On avait préparé le match pour aller chercher la gagne. Et puis on n'a pas atteint l'objectif, donc c'est la déception qui domine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu analyses cette défaite ? Je pense que c'est un match en plusieurs temps. La première partie du match, on est bien pour moi. On est dans ce qu'on voulait mettre en place, dans le plan de jeu. Et puis on arrive même à se procurer de belles situations, de belles occasions. Et il nous manque l'efficacité. Et comme c'est le cas cette année dans ce championnat, c'est un championnat à l'efficacité où lorsque vous avez des temps forts, il faut absolument... Il faut absolument que ça se matérialise au niveau du tableau d'affichage, sinon vous êtes peut-être en danger sur un contre qui amène un penalty ou sur une frappe de 30 mètres. Donc la première mi-temps, pour moi, elle a été intéressante au niveau de la qualité du jeu. Et il a manqué l'efficacité. Et souvent dans ces matchs où l'adversaire se met bien en place, mais son assise défensive assez basse. Même si au départ, ils ont cherché à venir nous presser, ça nous a donné quelques espaces. C'est à ce moment-là où on a eu des situations. Ensuite, ils étaient plus compacts et c'est devenu plus difficile. Alors, il faut rester équilibré pour ne pas subir de contre. Et en deuxième mi-temps, on a pêché, en première mi-temps, efficacité offensive. Et en deuxième mi-temps, on n'a toujours pas eu cette efficacité offensive, mais on a pêché dans l'équilibre. On a permis aux Clermontois d'asseoir leur bloc défensif et d'avoir une confiance et même de l'espoir grâce à des situations de contre-attaque. Quel sentiment, comme tu disais, qu'au fil du match, vous avez trouvé de moins en moins de solutions face à ce bloc Clermontois ? Oui, le bloc s'est compacté de plus en plus face à nous. Je pense qu'on s'est impatienté et qu'on a cherché à aller davantage dans de la percussion avant de normalement chercher à les déséquilibrer pour après seulement pouvoir percuter. On s'est un peu précipité. On a le sentiment que cette équipe, notamment aujourd'hui, elle dépendait un peu offensivement des exploits de Sofiane Boufal-Balopier. C'est également ton sentiment ? Mon sentiment, c'est que lorsqu'on joue face à un bloc défensif compact, il faut faire un travail collectif pour désorganiser ce bloc. Et à un moment donné, ça permet de mettre un de nos joueurs en bonne situation pour aller faire une différence individuelle. Et en première mi-temps, il y a eu un beau travail collectif pour permettre à différents joueurs d'être dans des situations favorables pour percuter, pour dribbler, pour faire des différences individuelles. Et en deuxième, on a eu beaucoup moins ce travail collectif. On y est moins parvenu, également parce que Clermont a bien défendu. Et puis, dans ces moments-là, c'est plus dur de trouver Sofiane ou un autre, parce que c'est pas le rôle de Sofiane, c'est le rôle de tous les joueurs en situation offensive que d'être en capacité à faire une différence individuelle par un dribble, mais également par une passe, par un centre, par un décalage, par un appel. Et on a été moins juste en deuxième mi-temps. Tu as déjà évoqué en match précédent, est-ce que tu as aussi le sentiment que vos adversaires vous lisent de mieux en mieux ? Je ne peux pas vous dire ça parce que la semaine dernière, c'est pas si vieux, c'est il y a 7 jours. Même s'ils nous lisaient, on a gagné. Donc cette fois-ci, ils nous ont sûrement lu également parce que les clubs travaillent et étudient le jeu de l'adversaire, construisent des plans de jeu. Cette fois-ci, une nouvelle fois, c'est à l'efficacité. On a la possession de balle, ce qui est pas toujours évident face à Clermont, qui aime bien tenir le ballon. Je dirais qu'aujourd'hui, ils ont eu un autre style par rapport à ce qu'on s'attendait. Et ils ont eu moins de possession de balles, ils ont moins posé le jeu et ils ont plus contré. Mais ça leur a donné une grosse assise défensive. Et nous, on n'a pas trouvé la recette pour passer à travers leur bloc défensif. Ça vous a surpris, ce qu'ils ont proposé ? Vous n'aviez pas préparé Non, ça ne nous a pas surpris parce que on l'a vu aussi sur certaines séquences de match. Et puis on l'a vu avec la composition d'équipe. Donc on était préparé également à se retrouver face à cette situation avec des joueurs qui allaient vite et qui pouvaient nous contrer, des doublons dans les couloirs qui pouvaient tenter de minimiser les espaces de nos pistons. Mais on a déjà rencontré ces problèmes-là sur d'autres matchs où on a su concrétiser davantage nos bonnes situations. Au-delà du manque d'efficacité que tu pointais, est-ce que ta frustration elle est aussi comptable ? Parce que 3 points aujourd'hui, vous aurez vraiment
confortablement installé en haut du tableau. Non, la situation aujourd'hui elle est dans le jeu. Pour moi, c'est toujours le contenu qui amène les points. Évidemment, plus on a de points, mieux on est. Mais si on n'a pas su gagner, la frustration, elle est dans le jeu, dans le match. Après, les points, ils viennent après au classement. Et si on n'a pas gagné, c'est qu'il a manqué quelque chose dans le contenu. On vient d'en parler. Et c'est à nous de travailler pour amener ce contenu et aller chercher les points. Les points, il faut tout le temps faut aller les chercher contre qui que ce soit. Il y a des possibilités contre des grosses écuries, il y a des possibilités de ne pas en prendre contre des plus modestes. Il faut à chaque week-end se remettre en question et travailler dans la semaine fort pour être performant le week-end.